2 mètres de guirlande de fanion. Ça suffira, maman. On ne veut pas rater le nouveau film des filles de l'espace. Oh, c'est parfait, les filles. Je suis certaine que Pierce sera content que tu aies aidé à la décoration, mais tu es sûre que tu ne veux pas rester pour la fête? Oh, s'il te plaît, maman. Kevin Summers a dit qu'il viendrait. Le grand Kevin Summers. Et j'ai pas envie que le garçon le plus cool de l'école soit obligé de supporter ma petite sœur. C'est sûrement Kevin. Il est ponctuel en plus de ça. Carrément trop cool. Oh. J'ai votre livraison de matériel de fête de la société Littleton en fait. Attendez, où est la remorque avec les jeux d'arcade? La remorque est hors service, mon grand. Il faut tout un tas de prises électriques pour brancher autant de bornes de jeux vidéo. Le patron n'avait pas pensé à ça. À titre de compensation, on vous a amené le pack licorne surprise avec château gonflable et piñata assortie. Une piñata licorne? Des trucs que ma petite sœur trouve cool? On va se moquer de moi! C'est trop la honte! On va me donner des surnoms qui vont me coller à la peau pendant des années, comme... Pierce Niata, la petite licorne rose à paillettes! Oh! Je la reprends alors! Non, on la garde! Cette maison va bientôt grouiller d'adolescents incontrôlables! Et les licornes, c'est mieux que rien! Les licornes, c'est mieux que rien! Prends ça, Polly. Je vais vous montrer où installer le château gonflable. J'adore les licornes! On devrait peut-être rester finalement, ça serait l'occasion d'étudier les propriétés d'éclatement des piñatas de plus près. Non, hors de question. Même avec un château gonflable ou une piñata licorne, l'anniversaire de Pierce ne pourra jamais être amusant. Du moins, pas aussi amusant qu'avant. Quand on était petit, les anniversaires de Pierce étaient super. Vroom, Pierce! Vroom, vroom! Mais ensuite, il a fallu qu'il devienne un ado insupportable à la voix au perché. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, ouais, c'est génial. Pierce, viens, on va jouer! Vroom, vroom! Je suis désolée. J'ai cassé ta petite voiture préférée. Les jouets, c'est pour les bébés. Je suis un ado maintenant, Polly, pas un bébé comme toi. Il vaut mieux qu'on s'en aille tout de suite. Excuse-moi, ma petite chérie. J'essaye ce jeu où il faut tenter d'accrocher la queue de la licorne les yeux bandés. Oh, et n'oublie pas de donner ton cadeau à Pierce avant de partir. Et... Oui, papa. Je vais le chercher tout de suite. Pierce, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Un bon pour un câlin gratuit? Oui, si jamais tu as envie qu'on te serre dans les bras, je suis disponible. Merci, peut-être plus tard. Kevin Summers! Oh, c'est vous les gars. Salut, ça va? C'est un château gonflable là-bas? C'est énorme! Oui, mais c'est ironique, bien sûr. T'as trop raison. Rebondir de façon ironique, c'est ce qu'il y a de plus cool. Kevin doit sûrement être en retard. Oh non! Il faut qu'on y aille si on veut voir les bandes d'annonces et acheter des friandises. Pourquoi acheter des friandises de taille normale quand on peut se remplir le ventre gratuitement? Tu veux qu'on rétrécisse pour dévorer une barre de guimauve géante? Lila, c'est une idée de génie! Super petite! Chocolat et caramel. L'association parfaite. Bon, alors où est passée la piñata? Oh non! Mon père, cachez-vous! Ah, la voilà! Dès que ton père sera sorti de la cuisine, on pourra partir sans risquer de... Je remplis la piñata, je remplis la piñata. Bon bah, on a un problème, je crois. Ne t'en fais pas, Pierce. Je suis sûre que Kevin est simplement en retard. On dirait qu'ils sont dans le château. Je reconnais les cris d'après toutes les fêtes auxquelles j'ai assisté. Et croyez-moi, il y en a eu un tas. En général, c'est toujours après le passage dans le château gonflable qu'on éclate la piñata. Ils vont bientôt éclater la piñata? Il faut qu'on sorte tout de suite. Ces adolescents vont bientôt brandir des battes, des maillets et d'autres objets contondants très dangereux pour tenter de faire éclater la piñata dans laquelle on se trouve. On va être réduits en miettes. Tout va bien se passer. Tu as entendu, Lila? La piñata, c'est toujours après le château gonflable. Ça nous laisse largement le temps de sortir. Oh, c'est pas vrai, je me... Oh,
mon chéri. On doit occuper tous ces ados avant qu'ils ne deviennent totalement incontrôlables. D'accord, alors c'est l'heure de la piñata. On va l'installer dans le salon. Allez, hue, ma petite licorne. Ah, hue, yeah. Hé, je vois de la lumière. On peut peut-être sortir par son nez. On est arrivé jusqu'en haut. Allons jeter un œil. D'après notre position actuelle, la meilleure option serait de sauter par le trou de la piñata, redescendre le long de la cheminée, passer sous la table basse et courir jusqu'à la cuisine sans se faire repérer. Très bon plan, Shani. Mais comment... Oh, finalement, ce n'était pas si terrible. On a le droit de faire une pause chewing-gum, non? Tu en veux? Mais oui! Du chewing-gum! On peut se servir du chewing-gum pour créer de délicieux parachutes gonflables! On est touché! Il faut qu'on sorte tout de suite! Quand ces ados vont se jeter sur les bonbons, on risque de se faire piétiner ou pire encore! Hé, les filles! Vous venez? Ouais, ouais! Trop cool! On est mal! Shani! Il faut qu'on sorte d'ici immédiatement! Ne vous en faites pas, les filles! Il nous suffit de sauter avec nos parachutes et on sera vite sauvés! Chewing gum super petit! Bulle de chewing gum de Lila et Shani super grande! Le soleil est revenu. Tout le monde dehors. Ouais. Hein? J'arrive, maman. Oh non. Dommage collatéral de la piñata. Ça, c'était un chouette anniversaire. C'est vrai. On t'attend, Pierce. Viens ouvrir tes cadeaux. J'arrive, papa. Oh non. Les cadeaux! Oh non! Mon cadeau! Il faut absolument que j'arrange ça! Super grande! Hé, hey, Polly! On est là! Allez au cinéma si vous voulez, moi il faut que je fasse un cadeau à Pierce! Allez voir un film alors que tu es en pleine mission ici! Jamais de la vie! C'est vrai, je ne raterai ça pour rien au monde! Super grande! Cadeau super grand! Oh, Pierce, je crois que tu as oublié un cadeau sur la table. Hein? C'est bizarre, mais je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Oh, un porte-clés! Joyeux anniversaire, grand frère. Ça, c'est mon vrai cadeau. L'autre, ce n'était qu'un avant-goût. Comment tu as su? Tu adorais cette petite voiture quand on était enfant. Mais je me suis dit que ça, c'était plus approprié pour quelqu'un qui a 17 ans. Waouh, c'est super gentil de ta part, Polly. Merci. Tu crois que je peux déjà utiliser mon bon? N'en fais pas, celui-là c'est cadeau! C'était cool, hein? Génial! Je suis désolée de vous avoir fait rater le film. Ce n'est pas grave, on pourra aller voir les aventures de les filles de l'espace une autre fois. Mais ça ne ressemblera en rien à l'aventure qu'on a vécue aujourd'hui. Salut. C'est bien ici la fête de Pierce? Oh, Kevin Summers, tu es venu? Désolé, je suis un peu en retard, mon pote. J'étais coincé sur la route pour récupérer une amie qui me rend visite. C'est elle? Oui, c'est elle! Sky Brown! Ça va, les filles? Tu es la meilleure skateuse de la planète! Et la meilleure surfeuse aussi! Ta figure à 540 degrés est mathématiquement incroyable! J'ai regardé toutes tes vidéos! T'assures un max! Merci, tu dois être Pierce. Joyeux anniversaire, mon pote. Attends, c'est vraiment un château gonflable licorne là-bas? Oui, c'est parce qu'en fait...
on n'a pas eu les jeux vidéo et... C'est génial! Kevin adore les licornes! Il en est complètement fan! C'est clair! Oh, regarde! Alors, vous venez vous amuser?